Voilà, et on arrive. 3, 2, 1, on se lève. Gauche, voilà, un chasse-neige. Très bien. L'école de Saint-Maurice s'adapte à la cécité de ses clients. La station propose des cours pour aveugles à tarif préférentiel. Gauche, droite, gauche. Et pour quelqu'un qui arrive ici, qui ne connaît pas du tout la piste, on va devoir faire peut-être 15 fois la même piste. La personne qui est non-voyante ou aveugle va se repérer au bruit, par exemple le bruit du télésiège, à l'odeur du restaurant. On passe peut-être une odeur de frites et il se rappelle très bien où il est. Repousser sans cesse ses limites, l'ambition de tous ces fanas de kilomètres lancés. Amputé d'une jambe en raison d'un cancer, Mike aurait pu tout arrêter. Le voici pourtant détenteur d'un record, 193 km/h à son actif. Quand tu vois cette grande pente devant toi, c'est évidemment très intimidant. Et tu ressens de la peur au départ. Mais il est très important de l'ignorer et même de la dépasser pour réussir la descente.